Aujourd'hui, Muriel Robin est une femme épanouie. Mais ce ne fut pas toujours le cas, comme elle le dévoile ce dimanche 5 décembre dans le portrait de la semaine de 7 à 8. En effet, l'humoriste revient sur l'étiquette d'homosexuel qu'on lui a collée. J'ai été estampillé homosexuel à un moment où j'étais avec un garçon, se souvient-elle. Mais pour la comédienne, l'amour ne se résume pas à un statut, je suis une hétérosexuelle qui peut aussi aimer une femme. Très honnêtement, je ne peux pas dire que je suis homosexuel. J'ai l'impression de mentir. Preuve en est, quand elle a rencontré Anne Le Nain, elle se rappelle qu'elle affirmait toutes les deux ne plus vouloir être en couple avec une femme, on a bien fait. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. On était impeccable. Désormais Muriel Robin le sait, sa compagne est la personne dont elle a besoin, Anne, si estime mon âme sœur. Je ne peux pas vivre sans elle. Esti comme ça. Et elle non plus sans moi, confie-t-elle. Si elle n'avait qu'un seul regret, ne pas avoir pu avoir d'enfant avec la femme de sa vie, ce ne sera pas pour cette vie-là. J'ai l'âge d'une grand-mère. Être maman à 66 ans, non, affirme la comédienne. Et puis, les deux femmes préfèrent se concentrer sur elles et s'apporter mutuellement du soutien. Anne a eu beaucoup de gros chagrins. On se dit souvent qu'on est cassé. Il y a des brisures. Ce que j'ai à donner, je le donne qu'à Anne. Elle a bien besoin au moins de tout ça. Ce qu'elle me donne aussi, j'en ai besoin. Au moins de tout ça. Et si est-il bien comme ça? Muriel Robin se confie sur sa famille, une façon de voir la vie à deux et de tenter d'apaiser les douleurs de l'autre. Muriel Robin s'est également confiée sur sa vie familiale, elle qui a découvert très récemment que son père n'était pas en réalité son papa biologique. Je l'ai su parce que j'ai écrit un livre et à la fin du livre, la personne avec qui j'ai travaillé m'a dit, on va aller voir la meilleure amie de ta maman, qui est toujours vivante, Juliette. Elle me dit que mon père n'est pas mon père. Elle me dit qui est mon père. La comédienne avoue connaître l'homme et l'apprécier. Des confidences touchantes. Loading DJ.